Contact. Top. La dernière fois, toujours pareil, contact langue. Contact. Top. On n'arrache pas la détente. Arme à l'étui, pied verrouillé. Procédure d'emploi, mise en sécurité de l'arme pour la réintégration. Dispositif qui leur permet de faire évoluer en nombre et aussi dans la diversité des recrutements. On a très significative la réserve, le dispositif de réserve pour la police nationale, dispositif qui existe depuis la nuit des temps, mais qui est aujourd'hui essentiellement centré sur des réservistes qui sont d'anciens policiers actifs de la police nationale. Il y a aussi des recrutements qualifiés de civils, le terme est peut-être impropre, mais qui sont plutôt affectés à des missions de soutien, des missions administratives. L'objectif, c'est vraiment de constituer un corps de réserve citoyenne. Le principe est donc d'ouvrir largement le recrutement, et notamment en direction d'un public plus jeune, et aussi de pouvoir augmenter considérablement le nombre des réservistes dont pourra disposer la police nationale pour l'ensemble des missions opérationnelles. Et bien entendu, ça va de pair avec un effort de formation, et c'est ce sur quoi mes voisins vont pouvoir revenir. Un effort de formation, je crois, assez inédit, puisque bien entendu, pour pouvoir intégrer des citoyens dans une réserve opérationnelle qui peut être affectée à des missions opérationnelles, en uniforme, avec port d'armes, ça implique une formation extrêmement sérieuse. Et c'est ce qui est en train d'être déployé avec cette session de formation qui est assurée ici à Troyes, comme dans 17 autres centres de formation en France. Donc c'est aussi un atout pour le territoire. En tout cas, je me réjouis que Troyes puisse accueillir ces sessions de formation. Je pense que c'est aussi un moyen de rapprocher la police de la population et d'assurer une exposition de la population aux enjeux de la police et de diversifier les recrutements, d'offrir des perspectives de recrutement et d'évolution au sein de la réserve pour nos concitoyens. Vous prenez la deuxième position de contact, comme on l'a vu tout à l'heure, on est en APB. Contact! Dernière fois, pour toujours pareil, contact langue. Contact. Top. On n'arrache pas la détente. Arme à l'étui, pied verrouillé. Les formateurs en technique de sécurité et d'intervention seront très attentifs à ne pas mettre quelqu'un qui, par son appréhension de l'arme, pourrait mettre en danger donc, le public et puis lui-même s'il ne sait pas s'en servir. Si on estime que le contrat n'est pas rempli, il y a d'autres engagements, mais pas celui-là. Voilà. C'est notre principale mission. Après la formation, vous avez tous fait des études, c'est une grosse masse, on pose tout, on fait le tri, ils y arriveront, ils travailleront.